De ces zones de chasse, ça commence toujours par l'entraînement et la vérification du matériel. Donc on y va. Pas besoin d'aller au parcours, j'ai mon stand de tir à la maison. Distance de tir de 20 jusqu'à 35 mètres. Juste manière d'entretenir le matériel et les muscles. Première flèche de la saison, c'est ce qu'on appelle la crédibilité.
Voilà, je viens de tirer la biche juste avant la tombée de la nuit. Je pense que la flèche avec la traçante elle est parfaite. Donc maintenant, on va attaquer la recherche au sang. La biche, elle a parcouru 50 mètres, c'est vraiment pas grand chose, le résultat il est là, encore une fois, les compétences et un bon arc, la chasse elle est très facile.
j'arrive au bout du pré.
qu'on appelle ici un daguet. Il bramait à la souille. C'est un joli tir, 35 mètres. Distance de fuite, 80 mètres dans la pente. Je viens de tirer le cerf de face. Je pense que la flèche elle est bien placée côté poumon et cœur. Il a démarré comme une bombe, il a sauté le chemin. Reste plus qu'à aller le chercher et on va voir ce que donne la recherche au sang. Il y a 5 cerfs qui brament. Il y a un très joli 10 qui arrive là, qui brame. Mais celui-là, il est trop beau, je ne tire pas. Je préférais tirer ce vieux qui ravale, je pense que pour la sélection, ça sera mieux. On voit bien que la lame elle est cassée, c'est une Stinger, elle est rentrée à peu près jusqu'ici. Je pense que je suis cœur-poumon et qu'au moment où il a fait le demi-tour, la flèche est ressortie. Donc le gros ressort est brame. On va essayer de faire quelques images avant de partir à la recherche au sang.
Allez, il se fait tard. Je vais pas le tirer maintenant parce que j'ai pas mis l'encoche lumineuse, donc si je le blesse, ça serait pas bien pour lui. De toute façon, je suis tout seul sur ce territoire. Il n'y a pas de problème. Je le tirerai demain ou après-demain. C'est ça le bonheur de vivre dans les Pyrénées. Ce brame du cerf, ça reste quand même de beaux moments, expérience sensationnelle. C'est rien que du bonheur. On a trois gros cerfs qui brament sur le secteur. Il y en a trois autres en face, ce qui veut dire que sur, on va dire une centaine d'hectares, j'ai six cerfs. Comptez 7 daguets, un petit 8 et une vingtaine de biches. De quoi faire mon bonheur pour ma saison de chasse. Allez, pour ce soir, on va être raisonnable. Je rentre, ça suffit. Demain matin, reste encore à aller chercher celui que j'ai tiré. Il n'y a pas beaucoup de sang sur le tracé. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais revisionner le tir puisque j'ai dans la caméra et je vais essayer d'affiner la recherche demain matin. Là, la nuit va tomber, ça sert à rien. Il y a un petit bois de 20 hectares, je pense que s'il y est, il sera couché dedans, donc c'est pas un problème. Moment privilégié pour tout chasseur d'être si près du cerf qui brame en pleine période de rut. Il reste encore, nous sommes le 5 octobre, il reste encore une bonne dizaine de jours de brame. J'espère pouvoir arriver à avoir une belle occasion de tir. Il y a un renard en train de bronzer sur un caillou juste en dessous, là, une centaine de mètres. Je vais essayer de faire l'approche et de tirer. Ça serait sympa de faire un renard à l'arc.
Alors, un tir comme ça, fantastique. 35, 37 mètres. On va aller voir le résultat, mais c'est génial. Voilà, c'est ce qu'on appelle un headshot à 35 mètres sur un jeune renard de l'année qui se finissait la nuit tranquille sur le caillou en attendant l'arrivée du soleil. C'est un tir très sympa et c'est le propriétaire des terres qui sera content parce que je lui ai sauvé quelques poules. Voilà. Exemple, l'entraînement, ça paye toujours.
Voilà, la chasse, ça se fait vite. Hein. J'étais en train de m'installer, de faire des commentaires. Et celui-ci est apparu à l'orée de la forêt. Le temps de l'armée. Un tir, 40 mètres. Poumon. J'avais pas de sang sur le chemin. J'ai pas retrouvé ma flèche. Elle est peut-être cassée dedans. Il a fait une centaine de mètres. Et à force de couper aux alentours, ben je l'ai retrouvé. Petit daguet, mais c'est pas grave. Un cerf, c'est un cerf. Un paysage merveilleux, comme chaque année, une petite chute de neige. Et c'est pas grave quand on voit des glaciers comme ça, magnifiques. Le bruit des corbeaux, et en fait, il n'y a rien à entendre puisqu'il n'y a pas de bruit. Je sais que je suis vraiment chanceux de vivre dans un territoire comme ça, avec une densité d'animaux comme ça. Mais après tout, chacun choisit sa destinée, et on est toujours maître de sa vie. Quand on veut, on peut. Une biche, tiré un peu loin, hein. J'ai pris troisième viseur, donc pour moi troisième viseur ça équivaut à 53-55 mètres. Et on ne peut pas approcher dans les genévriers, donc c'est un tir fichant. Et je pense que la flèche elle est bonne. La biche, elle vient de rentrer au bois dans les prés, donc reste plus qu'à attendre une petite demi-heure pour la laisser mourir tranquillement. Et puis on va aller la récupérer. Je pense que la recherche ça ne sera pas trop difficile. Et puis j'ai eu ma flèche plein poumon, donc en général ça trompe pas. Et bien, on va faire une petite sieste au soleil. Le vent se lève, il y a des lenticulaires et des cirrus en altitude, la météo va changer, on va voir ce que ça va donner.
Voilà, première biche de la saison 2015. Une flèche plein poumon qui a traversé de part en part. La biche n'a même pas fait 30 mètres. Quand on voit l'importance de l'hémorragie, efficacité garantie. Toujours pour cette saison 2015, mon petit arc Explorer de la marque Expédition, délivré par Jacques Fourcade. Un spot fantastique début de saison. La recherche au sang n'est pas très difficile. Le sol est bien marqué. Je pense que ma flèche est bonne. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit bien loin. Allez, on continue. Voilà, un nouveau surf saison 2015. On voit bien ici l'entrée. Et ressorti de l'autre côté un tout peu plus en avant. Ce qui fait que un tir plein poumon, efficacité garantie. Il a quand même couru ce coup-ci une bonne centaine de mètres. C'est un petit 8 avec encore des grosses meules. C'est du cerf de haute montagne, hein. On est pratiquement à 2000 ici.
Donc on ne peut pas espérer, vu le biotope, la nourriture dans laquelle il se trouve, avoir des cerfs de 200 kg. Mais c'est un joli cerf accroché au brame, qui avait deux lignes de crête. Il passait d'une ligne de crête à l'autre. Donc j'ai profité qu'il passe sur l'autre ligne de crête pour arriver à monter, me replacer sur la hauteur où il était. Et lorsqu'il est revenu, ça m'a permis de pouvoir faire ce tir à presque dans les tics à 25 mètres pour une fois. Et voilà, le résultat il est là.